trop bon les pieds. Chanson sans sens parce que y a plus de frigo. Dans les aléas du cadeau, y a un chien sans carnaval. Deux voitures et cinq espadons, ça fait l'inverse de l'écho. J'ai vécu. Et merci Morden pour le sub, c'est beaucoup trop. Merci, oui. Une chanson qui n'a pas le moindre sens. Une chanson. Avec un chansonnier, cette chanson ne peut rien dire, mais elle est libre de droit. Des amis, des cannibales, trois chevaux sans amygdale. Je soulève une porte garage sans passer par jus de goyave. Un jour je serai président, s'il te plaît, lèche-moi les dents. Ramonner un ptérodactyle sans avoir permis mobile. Avaler des bouteilles oranges, dévaler une suite étrange. Cette chanson ne veut rien dire, mais elle est libre de droit. Une chanson qui n'a pas le moindre sens. Une chanson qui n'a pas le moindre sens. Une chanson qui n'a pas le moindre sens. Une chanson, une chanson, une chanson.
Bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bien ou quoi? Est-ce qu'on serait pas de très bonne humeur ce soir? Oui, en plus j'avais trop envie de live, j'attendais que ça aujourd'hui, hein. Ah! Merci encore Wardan pour le petit sub, ami, c'est très gentil. Ça me fait très plaisir. Mesdames et messieurs, ce soir on va essayer de finir Outlast 2 en difficile. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. J'espère qu'on va y arriver. J'espère non plus, enfin j'espère aussi ne pas finir trop tard parce que j'ai du travail qui m'attend. Et du coup, je pense qu'on va pas perdre trop de temps et puis on va y aller directement. Il y a juste un truc que je dois régler. En la personne de mon café, parce que à chaque fois je démarre le stream, je pose le café, je lance le jeu et le café est froid à la fin et ça me casse les couilles. Du coup, on va boire un petit peu avant. Bonsoir à tous. Non. Non, c'est fini de mettre de l'eau dedans maintenant. Vraiment, il faut plus, hein. La dernière fois, ça m'a suffi, hein. Salut, méga. Petit café de 20h30, oui, pour tenir le stream. Pour être en forme. Hop, on baisse un peu la lumière. Je pense qu'on va mettre comme ça. Ouais, comme ça, ouais, ça va me reposer les yeux, ouais. Du coup. Ok, on va faire ça. On est reparti instantanément, hein, je vous le dis. On a zéro temps. Est-ce qu'on a le son du jeu ou pas? Oh, on a le son du jeu. Oh, par contre, on a aussi... on a aussi des gigalax à race. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, mesdames et messieurs, juste pour se souvenir, on a tué Nunu, ok? On a réussi à se débarrasser de Nunu hier qui nous cassait bien les couilles avec sa monture et tout. Je crois qu'on peut le filmer, il me semble. Ah, je l'ai filmé, ok, d'accord. Ok, donc lui, il est mort, c'est plus un problème. On vient de passer le village des Galeux. Est-ce que vous en souvenez? C'est le village des Galeux. Donc maintenant, on va voir ce qui nous attend. J'espère que ça va pas commencer trop fort parce que quand même, je suis pas encore vraiment dans le mood, donc ça risque de me faire un peu bizarre. Si je pouvais... Ok, on reprend immédiatement. On reprend immédiatement au niveau de l'école. Ça ne me plaît absolument pas, mais c'est pas grave. J'ai pensé à la Nunu de LOL. Bah c'est Nunu de LOL en fait, la blague, tu comprends. Ok, on n'est pas encore trop dans l'ambiance, ça va aller. Je pense que le son est ok aussi. Est-ce que j'ai la cam encore? Ouais, j'ai encore la cam, hein. Ouais, bien sûr, j'ai encore la cam. Oh! Non, c'est pas grave. C'est juste des bruits de pas habituels dans le jeu. On va juste tracer. Il y a vraiment des bruits autour de moi. C'est très très désagréable. Oh! Oh, je sais absolument pas si vous avez vu ce que j'ai vu, mais ça m'a fait très très peur. Bon, c'est pas grave. Bon, ok, je suis dans le mood, ça y est. C'est bon, on est de retour. Yes. C'était clairement pas juste dans ma tête, hein. C'était vraiment là, hein. Je vous le dis. Ok, si, si. On trace. Le but, c'est de finir le jeu. Hop. On va finir le jeu ce soir, là. Pas le temps de niaiser. Hop. C'est très très nuit par ici. Ok. Très étrange ça, non? C'est étranger, n'est-ce pas? Bonsoir, merci, c'est très gentil. Ok. Ok, c'est bon, la porte reste fermée cette fois. Alors! Bon, on est dans une phase d'école, ce qui veut dire que ça me met immédiatement dans le mood. Moi, je ne suis absolument pas prêt pour ce genre de choses. En général, ça me tend très très fort. C'est vraiment les parties que je déteste le plus dans le jeu. Enfin, que je déteste. Pas dans le sens où je trouve ça nul, mais vraiment dans le sens où ce sont les parties qui me tendent le plus le cul. C'est en haut que c'est...
J'ai pas envie de savoir en fait. On va plutôt bouger. Quoi encore? Oh putain, c'est lui. Ok, d'accord, pardon. C'est la grosse bête. C'est pas grave, on avance. Ok. Oh, oh. À bientôt. Ok. Ok, c'est bien reparti. On est en difficile, hein, c'est normal. Attendez, je crois savoir ce que je dois faire. J'ai une idée, j'ai une giga idée. Ok, il est là. Il arrive. Il arrive salement. Il est pas beau. Oh, oh, pourquoi il s'énerve? Ok. Peut-être que je peux faire ça maintenant. Ok, et maintenant? Et maintenant je cours. Je pense que c'est la strat. C'est la strat ou pas? C'est la strat ou pas? C'est la strat, ok. Freeze. Corleone. Ok. Non mais vas-y, en fait c'est le début du stream là, s'il te plaît. C'est quoi ça? Ah. Ça c'est marrant mes gars en vrai. Ok, par là. On est plutôt bien. Oulala, c'est quoi ça encore? Quelle est cette histoire? Oh! Wow! Ok. Non, c'est trop tendu là. Ça fait combien de temps que j'ai commencé le live? Ça fait 10 minutes là. Oh! J'aime bien les piles. J'aime bien les bandages aussi. La crème. Merci Daki Chouchou pour le 6e mois. Merci beaucoup, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. Merci de rester fidèle à la Nalfein Télévision. Shit, cupid. Ok, c'est ici. Don't let me go. Don't let me go. Ne me laisse pas me... Pardon. Oh, oh putain, mais faites pas ça! Oh là, c'est quoi? Oh là, oh là, oh là, on se casse! J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oh! Jessica! Viens! Yes. Jessica! Vite! Utilisez le microphone. Si c'est éteinte la lumière, sauveur, écoute ma prière. Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Jessica! Et doucement, m'envoie dans le sommeil. Toi qui vois tout mon Dieu, lave tout ce que j'ai pu faire d'odieux. On va suivre sa voix, hein. Aide-moi à devenir chaque jour plus. C'est là-bas, c'est là-bas. Et ainsi vivre dans ton amour. Vite! Et ainsi s'est éteinte la lumière. Sauveur, écoute ma prière. Elle est là, hein. Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Je pense qu'elle est par là. Et doucement, m'en... Par ici, Blake. Bah, je suis là, j'arrive. Jess, t'es là? Oh non! Oh! J'en ai déjà marre! C'est pas grave! Allô? Oh putain, ok. Oh, oh, on est sorti de l'école. Oh oui, tout sauf l'école en fait. Oh. Oh vite. Oh oui, oh mon Dieu, enfin cette forêt remplie de lépreux. Oh, je suis tellement content de revenir. Oh, un petit Porsche. Lac. Ok, va de l'autre côté du lac. Faut que j'aille de l'autre côté du lac. Mais c'est quand même sacrément sombre ce jeu, non? Bonsoir Lady Carox, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. À l'aide. Sauvegarde. Il y a vraiment des sauvegardes toutes les trois. Ok, non, je vais pas mettre un putain d'orteil dans cette eau. Quelque chose cloche. Quelque chose cloche avec ce lac. Tu crois? Tu crois qu'il y a un truc qui va pas avec le lac, mec? Crois-tu qu'il y a un truc qui va pas avec le lac? Oh, il y a une maison là, oh là là. Oh là là. Bonjour. Bonjour. Allô? Ok, c'est fermé, c'est pas grave. Poisson. Des pics, des pics. Oh, la crème. Putain, j'ai eu peur de la crème, c'est très triste. Merci Kojinro
pour le Prime. Bienvenue à toi parmi les crèmes. J'espère que tu te plairas sur le streaming de l'Analphane Télévision. C'est avec grand plaisir que je t'accueille parmi la communauté live. Merci. Profite bien du stream. N'hésite pas à spammer les emotes. Elles sont là pour ça. Je m'éclate à les faire à chaque fois. C'est un plaisir. Bonjour. On peut passer là? Ça sert à quelque chose? Non. Ah si, debout. Ah oui, on peut faire le tour, ok. Ah mais il fait jour. Enfin il fait jour, je me comprends. C'est quoi ces bruits de merde? Alors j'ai vraiment entendu quelque chose de pas net. Mais t'es pas net, Outlast. Mais si, je suis très net. Oh, petit... Oh. C'est quoi ce bordel? Ah... J'ai toujours pas su si c'était l'asile du premier, hein, mais je crois pas que ce soit l'asile du premier, je crois que c'est encore autre chose. C'est un autre... je pense que c'est un autre bâtiment de la Murkoff... Murkoff Corporation. Il me semble. Une tour. Ouais. Une tour radio ou une liaison hertzienne. Ouais, c'est pas du tout l'asile en fait. La civilisation peut-être. J'étais assez stupide pour penser que je pourrais m'en sortir. Ça aurait été incroyable que ce soit l'asile, mais je sais que Murkoff a des complexes un peu partout, et ça doit être un des nombreux complexes de Murkoff en fait, et l'asile n'en est qu'un autre. Et d'ailleurs dans Outlast 3, on visitera un autre complexe de Murkoff en pleine guerre froide. Oh merci beaucoup pour les 5 abonnements, c'est trop. Lady Carox 3, merci beaucoup, c'est gentil. Félicitations Mocha, Ruby, Ricky, Toshigaya et Tranksen qui chopent leur sub grâce à Lady Carox, merci beaucoup, ça fait plaisir, ça c'est du soutien comme on en voit rarement. On en voit rarement, ça fait plaisir. Merci beaucoup, très gentil. Et le train de hype niveau 3 bien sûr, chouchou à tous, merci. Oui du coup dans Outlast 3 on sera dans un complexe de la Murkoff Corporation en pleine guerre froide. Et ça se basera un petit peu sur les expériences que font Murkoff pour contrôler l'esprit humain. Contrôle mental, tout ce genre de joyeuseté. Et j'espère vraiment qu'il sera bien. Alors normalement le Outlast 3 sera jouable à 4. Merci Ange de Bain pour le Prime, merci pour les 9 mois. Allu. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de revoir les mêmes pseudos tout le temps qui pop. C'est trop bien. Oui, du coup, je disais Outlast 3 est un jeu qui sera jouable jusqu'à 4 personnes. Le truc, c'est que moi, la première fois que je vais le faire, déjà, je vais le faire day one, c'est obligé, vu que c'est un Outlast. Hein. Et ensuite, je le ferai tout seul, parce que je trouve que l'expérience est plus pure, surtout en live. Je trouve qu'un jeu d'horreur est plus intéressant à regarder quand le mec est tout seul. Sauf quand il s'agit de Devour ou de Phasmophobia, évidemment, c'est un jeu typiquement coop, mais bon. Merci Citurba pour l'abonnement offert, c'est très gentil. Félicitations, Ibiz, pour le sub reçu. Merci Citurba encore une fois, c'est très gentil. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi tout s'emballe en fait? Tu peux le traverser avec ça. Ah oui, mais très bien. Mais avant d'utiliser le radeau, est-ce que je peux... C'est quoi ce bruit de merde? La musique est terrible. Est-ce que je peux pas trouver une pile? J'ai combien de piles? Oh mon dieu, mais je suis riche en piles. On est fort en pommes. Chouchou le train de l'hype. Niveau 3 à 52%. Allons-nous le faire monter à 100%? C'est ce que je vous demande, madame. Mesdames et messieurs, d'ailleurs, hein, pardon. Ish. Ah, je me souviens, je crois, de ce passage. Oh, ça va être un pur plaisir, encore une fois. Ok, pagaillé. QE pour diriger le radeau. Bah, en fait, c'est comme pour se déplacer, en fait, finalement. N'hésite pas à pagayer, hein. Prends ton temps, mec. C'est trop calme, ça me stresse un... Mais pourquoi il pagaye pas? Pagaye! Ah, il faut que j'appuie plusieurs fois. Je crois qu'il faut que j'appuie plusieurs fois. Attendez. Ok, je crois que j'ai compris. Bon, faut juste traverser le lac. Je pense que c'est là-bas que ça se passe. Plus à gauche. Ah ok, il y a peut-être un peu de brume, mais c'est pas grave. Ça va bien se passer. C'est pas du tout stressant, c'est ça qui est cool avec le jeu. Ok, il y a un truc qui est tombé dans l'eau, je viens de l'entendre. Mais c'est pas grave.
Alors c'est beaucoup trop calme. J'ai entendu un truc sur la droite, donc on va immédiatement à gauche, hein. Réflexe logique. Le boule des elfes. Merci beaucoup Iva pour les 100 bits, merci pour le train de live, c'est trop chou. Attendez, ça l'a fait monter que à 57. Oh, je peux filmer ça? Ah ouais. Ce sont les signes. Oh non. L'apocalypse. L'apocalypse. J'espère que j'ai juste perdu la raison. L'apocalypse. Oh là là. Et Junipais qui récupère un... Ah, la brume noire. Elle est là. Oh, merci pour les 5 abos, Kixon, c'est trop chou. Merci beaucoup, c'est beaucoup. Trop mignon. Félicitations à Métis, Alizus, Soy Patrice, sois Patrice. Elpidia. Non, non, attends, c'est pas le moment. Elpidia et Rome qui chopent leur abonnement grâce à ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Lâche. Je suis pas mort quand même. Oh non, d'accord, ok, je suis pas mort. Go, let's go. Oi. Remonte. Juste pour le train, trop mignon, merci. Bonsoir Tenelor, je t'aime. Oh putain, on y retourne. Train de la hype niveau 4. Merci beaucoup, trop mignon. Merci pour le train, merci à vous pour le train. Tous ceux qui participent au train, évidemment, gagneront une emote, hein, apparemment. D'après ce que j'ai compris, attention, je veux pas vous scam, mais je crois que quand tu participes à un train de la hype, tu chopes des emotes. C'est trop bien Twitch. J'adore Twitch. Et ben on était tellement content de ce qui s'est passé pendant qu'on était sur le radeau qu'on a même pas capté ce qui s'est passé quand on était sur le radeau. Merde, c'est vrai que on peut se crasher je crois. Du coup on va faire très attention. Aïe. Ah non, attendez. Non, en fait, c'est pas dans le jeu. Je crois que c'est dans un autre jeu. j'ai peut-être confondu en fait. J'ai peut-être stressé pour rien là. Aïe. Ok, ouais, non, c'est définitivement dans un autre jeu. Hein. Allez. Pagaie. Oh non, le caillou. Merci pour l'abonnement offert. Ouais, félicitations à tous ceux qui ont chopé un abo grâce aux crèmes qu'on a dans le... Quel bateau de merde. J'avoue, mais c'est pas un bateau. Allez là. Merde. Allez. Juste. Merde. Oh, mais il y a des mecs là-bas. Vite, il y a des mecs là-bas. C'est peut-être la merde. Il y avait des mecs sur le... Ah, il est là-bas d'ailleurs, il me regarde. Les voilà. Ils sont fait Lynn. C'est les hérétiques en plus. J'y suis presque, Lynn. Oh, putain, tout ce qu'il fait n'empêche pour sa femme, c'est... Si ça, c'est la pas une preuve d'amour. Sa mort. C'est ton chrétien. Dieu a dit qu'il devait mourir. Mais les autres, les hérétiques, veulent que le bébé naisse. Oui. Ben, dans tous les cas, ils sont débiles. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir qu'il n'y a pas de bébé? Je dois... Seigneur. Lynn, j'arrive. Allez, on y est presque. Allez, on avance. C'est quoi ça? C'est un mec encore? Ah, mais pas qu'un seul en plus. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais vous brûlez des mecs en fait! Ah, le printemps! Merde! Allez, filme-moi ça, là. Ah putain, mais il y a beaucoup de gens morts là-dedans, quand même, non? Ok, très bien. Ils sont partis, eux? Oui, ils sont partis. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Tant de corps flottants que j'aurais pu marcher à la surface sur leur dos. C'est presque drôle. C'est comme ça qu'on peut marcher sur l'eau. Énorme! Ok! Non, tu peux ranger ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de corps quand même, hein. Ça fait beaucoup là, non? Plutôt... Ah oui, il faut que je les traverse en fait. J'espère qu'ils sont tous morts, hein. Oui, normalement vous êtes tous morts les mecs. Ils sont tous morts.
quoi ça? Ça se filme ça? Ça se filme pas trop. C'est redevenu trop calme en fait. La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Ah! Là, je les vois. Je les vois là-haut. Ok, on va faire le tour. Attention. Attention, j'ai dit. Non mais tourne. Non mais maintenant à gauche. Ok, très bien. Tout droit. On bouge plus. Merci encore pour le train de live. C'était trop choupinou. On l'a fait monter jusqu'au niveau 4. Des amours. Des amours. On a reçu une emote en plus. Incroyable. Niveau 3 de train de live. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu de la musique là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde. Attendez, je crois qu'il y a un truc qui va pas là-bas. Ah, en effet, ouais. Il y a quelques petits soucis. Ça va trop vite! À l'aide! Oh! Non! Non! Oh mon dieu, c'était scripté! Oh merci! Merde! Merde, le radeau! Faites qu'il soit toujours là! Ah, bah j'espère! Ok, on y va! C'est quoi ce bruit de merde encore? Attendez, j'entends un mec respirer trop bizarre. On va mettre le... Mon micro repère rien, c'est trop bizarre. J'ai bientôt plus de piles par contre. Mais il y a des mecs partout autour. Oh, c'est horrible ce passage. Il va falloir que je recharge bientôt. C'est quoi ça? Là-bas. Le radeau. De quoi là-bas? Ah oui, il est là-bas. Oh putain, il y a des mecs. Ok. On y va. Il va falloir que je recharge bientôt. Tu restes après minuit un petit peu ou pas? J'ai un prime le 13. en fait... Ah ouais, c'est vraiment pas cool. Ça se filme ça, non? Bah moi, je stream off quand le jeu est fini. Du coup, je sais pas si ce sera avant ou après minuit. C'est vraiment très très dégueulasse. On va pas se mentir, hein, c'est pas le meilleur truc à voir. Ah, vous avez gagné un chien! Ou en tant que bienvenue. Nous sommes tous les bienvenus. Mon personnage pète des câbles, hein. Mon personnage pète des câbles. Recharger. Oh, vous avez gagné un petit chien! Qu'est-ce qu'il est moche! Mais qu'est-ce qu'il est moche! C'est quelqu'un ça? Ah non, c'est personne. Enfin, c'était quelqu'un. Doucement, Nalf. Hein? Fais pas le con deux fois. Oh, le boule des F. Ah! Oh, le radeau! Radeau! Ah, le radeau! À l'aide! Non, le radeau! Non! Je vais où? Oh, un caillou. Merci pour les 200 bits, Lady Karox 3. C'est très gentil. Très content. À bientôt. Ok. On va peut-être regarder la... Le tronc, cette fois. Non, les emotes sont bien, c'est des animaux, laisse-les tranquilles. L'amour nous libère, en effet. Oh putain, mais c'est Outlast 2 ou Predator? Il y a vraiment des vibes Predator pour le coup sur le truc, hein. Sauf que Predator, ce serait par les pieds qui serait pendu, le mec. Du coup... Par là-bas. Faut que je retourne au radeau. Il est où mon radeau? Le radeau de noix de coco, il est là. Le radeau! Pourquoi j'entends des gars hurler? On y retourne, pote. Allez. Des animaux! En vrai, je trouve que le mode difficile rigole beaucoup moins que sur le premier jeu. Hein. Sur le premier, le mode difficile, je l'ai mangé en 3h30. Là, sur le 2, le mode difficile, il m'a quand même fait douiller quelques fois. Hein. Et c'est pas fini. Hein. Et c'est pas fini du tout. Aïe. Hein.
Ah! C'est quoi ça? Ah, si jamais demain soir je ne live pas. Par contre, jeudi, vendredi, je devrais faire un peu de LOL. LOL. Et après, j'aurai d'autres jeux très intéressants à faire. Autre que LOL. Des petits let's play, tout ça, tu connais. Eh, mais tourne peut-être! Mais. Non, mais tout! Ok. Oh, il y a des gens qui sautent. Incroyable. J'ai l'impression de faire le début de King Kong sur PS2 ou PS3, c'était sur PS3. On dirait un peu les indigènes dans King Kong là. Oh non. Je vous vois hein. C'est vraiment pas discret de se balader avec des torches comme ça. Clairement. Oh les rapides. Ça y est, on arrive dans les rapides. Oh merde. Oh merde. Oh non, merde. Oh, rapide plus brume noire de Viego. Tu connais? Non, non, non. Tourne. Allez. Allez. Je sais pas encore ce que je fais sur le. Oh, attendez, il y a quelqu'un derrière, non? Oh, mais c'est des cailloux. Oh non, 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 non. Merde. Ok, yes, on a plus que 3... Ah putain, mais c'est Koh-Lanta en fait. Pourquoi j'ai un rollback? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il recule? Avance en fait. Oh là là, j'espère que les développeurs d'Outlast voilà se seront améliorés s'il y a encore un passage sur un radeau dans le 3. Hein. Lynn, qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui faire? Ah, je vais peut-être filmer la mine, non? Je pense qu'elle est la mère de quelqu'un. On m'a appelé le père. Tu peux pas le... Pas très optime. Ça fait des mois qu'on l'a pas... Oh, ça fait des mois que vous avez pas... Oh... Ça fait beaucoup quand même, hein, des mois par contre. Ça va, ouais, t'as pas trop de mal avec le radeau encore là. Hésite pas, hein, je pense que j'irai plus vite à pied, putain de merde. Franchement, entre nous, frère, tu veux pas nager là? Ou peut-être marcher sur les bords? Allez, avance. Allez, avance, putain de merde. C'est... On a pas. Ah bah on ira plus. Oh c'est quoi ces gens? Oh mon dieu. Oh mais ils sont partout. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Non mais hey, c'est... Mais non. Mais à bientôt. On connaît pas encore la date de sortie du 3, malheureusement. Ils ont pas encore donné de date. Ok, c'est par là. Oh putain, il y en a encore un. Faut peut-être que j'aille par là. Ok. Oh mon dieu, mais vous êtes si nombreux! Mais c'est la Paris Nesquik! Ah! Qu'est-ce qu'on branle là? Oh, pas toi! Oh non, mon dieu! Oh, vite! Je sais pas du tout si je vais au bon endroit, mais j'y vais. Ah oui. Est-ce qu'il est là? Oh putain, il est plus là. Oh mon dieu, c'était horrible. Oh non, le retour dans l'école, mais j'ai envie de mourir. Non, retour à l'école. Toilette? Ouais, toilette, j'adore les toilettes. Y'a pas une pile dans les toilettes là? Ah? Ah mais c'est super la vie. Ok. Ah peut-être à l'intérieur des... Ah. Ah j'aime pas ouvrir les portes comme ça, c'est terrible. Mais où c'est? Je sais que c'est là hein, mais peut-être qu'il y a une pile par là. Y'a pas une pile par là qui... Oh! Ça a tapé là non? Ah oui ça tape là. Tu crois que j'ai peur? Allez, arrête de faire l'idiot. Non. Ok. Ok. Giga Ragnagna douche.
Par contre, ici, il y a peut-être une pile. Pas de pile, hein. Créature des enfers. Bon, on se casse, hein. Il arrive. Oh, putain, non, c'est dans mon best-of. Non. Pourquoi je me fais avoir encore une fois? Ça dégoûte. Pourquoi ma vie sans le cul? Je vais boire du café pour la peine. Alors par contre, je veux bien qu'il arrive, hein, mais oh, c'est ouvert maintenant. Putain, mais la vie est pleine de surprises, hein. Allons vers la lumière, toujours vers la lumière en vrai. Et après, c'est d'y part. Oh putain, doucement, oh. C'est quoi ça encore? Wow, ok, c'est ça, ok, bon, allez, hop. Ça veut dire que c'est par là-bas, hein. Oh, pitié. Oh, wow. D'accord, l'autre côté. Oh, toi fils de pute. C'est fermé. Oh, une pile. Oh, ça s'est étrangement calmé d'un coup. Ah. Attendez. Attendez, il y a un truc. Il y a un bail avec les... Oh. Écoutez, on va ressortir du coup. Oh putain, je déteste quand ça glitch comme ça. Trop calme, ça dure jamais. Non, ça dure jamais. Je vais tout le temps là où il y a la lumière. Peut-être que la lumière me guide. Ah, c'est verrouillé, ok, super, merci la lumière. Et merci la lumière. La lumière. Oh, putain, mais quelle vie. C'est pas grave. Ça arrive, hein. Dans mon collège, c'était pareil. Il faut juste attendre que ça passe. Ouais, allez-vous-en, ouais. Oh, ça c'est très bien, ça, je me casse. Y'a pas une... Y'a rien, y'a pas de pile, y'a rien. Non, ok, on se casse. L'autre elle appelle à l'aide, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on s'éclate dans l'école? Ah là là. Oh putain, on est revenu au présent là. Oh, les transitions sont tellement quali. Oh là là, je l'ai suceute. Je l'ai gnoc. Oh, la pluie de sang. J'avais presque oublié. L'effet est très très bien fait. Très bien fait, effet. Ah, je peux peut-être prendre... Enfin, filmer ça. Ouais, voilà. Allez, filme tout. Impeccable. Qu'est-ce que t'as à dire dessus? Une pluie de sang qui coulait de ses chaussures, je crois. Non, j'ai évité de marcher dans le sang pour ne pas laisser de traces. Là, on sait pas de quoi il parle, en fait. Il pète des câbles, le monsieur. Enfin, moi, je sais, parce que j'ai déjà fait le jeu. D'ailleurs, si vous le savez, ne le dites pas dans le chat, sinon vous allez vous faire ban méchamment, parce que quand même... Oh putain, non, mais attendez, je crois savoir que à partir de là... Pardon ? Je crois me souvenir qu'à partir de là, les ennemis sont atroces. Par contre, en termes de déco, ils sont beaucoup trop chauds, les mecs, ici.
Parce qu'en vrai, tu te dis, le mec découpé à moitié là, qui est pendu, ça sert à rien. Mais non, ça fait son effet quand t'arrives en fait. Genre, même lui avec la mâchoire disloquée là. Ça, c'est beaucoup trop stylé ça. Ça, j'en veux un dans le salon plus tard. C'est plutôt sombre. Eh oh, les sons là! Les ingénieurs du son dans les jeux vidéo, j'ai envie de les. De les gnoc. Je les gnoc gnap. Ah il y a quelqu'un, non? J'ai vraiment, vraiment entendu quelqu'un là. J'ai vraiment entendu quelqu'un. Je suis pas fou. Je suis pas fou de la tête. L'endroit est trop clos, ça me stresse. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, l'endroit me stresse trop en fait. L'endroit me stresse beaucoup trop là, il faut que je parte. Attendez. Oh putain! Je te vois! Je t'ai vu! Oh mon Dieu! Oh non! Ok. Je suis trop stressé. Je sais qu'il... Je l'ai vu en fait. J'ai vu le mec passer en fait. J'ai vu la chose là. Mais ça fait trop de bruit ces trucs là. Ça, ça bouge. C'est pas censé bouger. Oh, c'est trop stressant, je referme la porte. Putain, j'ai bientôt plus de piles. Ça, ça bouge, ça aussi, alors que c'est pas censé bouger. Wow! Lâche-moi! Avant que l'ennemi déchire son ventre. Mais... Merde! Ils nous ont tués! Lynn! Les plus chanceux ont été tués! Partez! Nous devons partir! Il faut y aller! Ah. Oh combo, je te gnop gnap nup! Gnop gnap gnap gnop! Recharger, shit! Shit à cul! Il faut partir, ouais, je suis d'accord avec lui, il faut partir. Laisse-moi juste le temps de trouver la sortie, frère. Et promis, on s'en va. Ah mais attendez, mais pour partir faut juste faire demi-tour en fait. Ah quoique, peut-être passer par là. Ah non, faire demi-tour, ok. Mais Nalf. Ok. Oh non, ça y est, c'est reparti, mais... Oh, le bad trip aussi. Non, non, mais c'est bon. Eh attendez, vous pensez que si... Vous pensez que si je fais ça, je reviens... Ah non. Oh, ils ont pensé à tout, hein. C'est vraiment des petits malins, les développeurs, hein. Putain, les malinois, quoi. Alors, c'est très très tendu, ce qui se passe actuellement. Gare à ce que vous voyez, petits yeux. Gare à ce que vous voyez, petits yeux. Car le père est tout là. Oh, nous regarde avec amour. Gare à ce que vous voyez, petits yeux. Ah, je peux pas tout, je peux pas prendre plus de bandages, ça dégoûte. J'ai combien de piles? Comment je fais pour sortir d'ici? Oh là là, mais trop de moulas, trop de moulas, trop de piles. Wow, wow, wow! J'entends des bruits, je ne vois pas les images, ça me stresse. Ah, ah, arrête de glitch. Oh, il y en a un qui est allumé là-bas. Ok. Alors, Jessica, rejoins la conversation. Jessica, t'es là? Salut. Ça marche. C'est bizarre. Je te vois écrire sur l'ordinateur. Tourne-toi.
le jeu. C'est fermé en plus, hein, putain de merde. Oh, c'est refermé. Ok. Ah non, j'allais aller là-bas, mais non, pas du tout en fait. Est-ce qu'il faut que je reparle à l'ordi? Ah oui. D'ailleurs, il y a marqué des... Ah ouais, dans mes amis, j'ai que Lynn et Jessica en fait. Dans la famille, j'en ai deux. Ouais, et dans les mecs qui travaillent avec moi, il n'y en a aucun. Ok, d'accord. D'accord, ok. Ouais, c'est un messenger chelou, quoi. Oh, arrêtez les glitchs. Y'a pas une pile? Je sais qu'on a beaucoup de piles, mais quand même, non. C'est ouvert, là, maintenant? Oh, c'est bloqué toujours. Putain. J'arrive pas à concevoir que cette pièce n'ait aucun intérêt. Et pourtant... Et pourtant! Oh! Pourquoi t'as besoin de changer d'ordi? Je peux te voir. C'était quoi sur ton écran? La fenêtre que tu as fermée tout à l'heure? Rien, je bidouille. Je ne sais toujours pas trop comment cet ordi fonctionne. Je peux t'aider quand tu veux. Lynn te fait coucou. Attends. Communauté soutien, espoir, prière catholique déprimé et anxieux. Quoi? Oh, la porte est ouverte. Ok, d'accord. Glitch. Oh, ça s'ouvre tout seul, c'est donc une bonne raison d'y aller. Je te conseille d'entrer dans la pièce glauque. C'est une très bonne raison d'entrer dans la pièce glauque. Y a rien en fait dans la pièce glauque. Que dalle en fait, mec. Oh, comme il trace par contre, c'est incroyable. Là, il y a la piscine dont on est sorti tout à l'heure. On entend Jessica prier, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais j'ai pas besoin de... Oh, il neige. La neige, connard. Ok. Ok, on a trouvé ça. HLM, ce sont des appartements. C'est étranger, n'est-ce pas? Putain, l'exit qui est toujours fermé, ça c'est un truc de bâtard aussi. Hein. Ils nous mettent bien le exit tout le temps, à chaque putain de phase. Petite chiotte. Ok, rien du tout. Ok, rien du tout. Ah, les glitches. Oh! Jessica! Jessica! Elle est là. Viens par là. Qu'est-ce que... Non! 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 Il est toujours là? Non, c'est bon, hein. Allô? Oh. Oh, ça m'a fait... C'est verrouillé maintenant. C'est plutôt tendu, non? Open. Oh. Putain, c'est fermé. Heureusement qu'il trace par contre, hein. C'est beaucoup plus agréable.
Les développeurs ont grave compris qu'il y a des super longs couloirs. Et que ça... Ah, ah, grosse langue. Qu'est-ce que je fous là, moi? Et que du coup ça aurait fait chier les joueurs de devoir marcher le long des couloirs. Du coup ils l'ont fait courir super vite et ils ont eu raison. Oh, des têtes sur des pics, faut filmer ça. Oh putain. Oh, mais les hérétiques font trop peur. Oh, il a glitché. Oh le connard. Oh le connard. Connard. Ah, quel connard. Non. Oh non, les connards. Oh non. Oh non, pas les connards. Pas maintenant. Oh, cache-toi. Attendez, je crois... Il y a quelqu'un dans la pièce avec moi. Okay, on va sortir. Oh, j'entends des bruits de pas. Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un avec moi. Je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un dans la pièce avec moi. Je l'ai entendu, putain. J'ai envie de tracer comme j'ai jamais tracé, en fait, c'est ça le truc. Et si on traçait comme on a jamais tracé? Ok, on y va. Oh, oh fuck! La vie, ici! Il est où? Oh putain de merde. Attendez, mais il y en a un autre? Il y en a un autre là? Oh! Oh! Non. Je crois qu'il va être temps pour nous de tracer très très fort. Ok, je sais pas du tout ce qu'ils font, je sais pas si je peux sortir ou quoi. Ok. Ok, on va attendre que lui il trace. Oh putain. C'est dur. C'est très dur. Là, je vous avoue que c'est plutôt stressant, mais non. Non, mec. Non, mec. C'est maintenant. C'est maintenant. Oh! Je suis vu! Ah, ici! Ok. Oh non, merde. Oh non. Hop. Regarde pas derrière, ils sont tous derrière. Oh, ça roule. C'est pourquoi ça roule.
Oh mon Dieu, non, pas toi, non, ah. Oh non, mais ils sont partout, Tatis. Oh, oh, comment ils m'ont eu? J'ai couru comme un dératé. Ah, en difficile, tu te prends un coup, En difficile, tu te prends un coup, et c'est fini. Trace. Ne t'arrête pas. C'est pas bien grave. Allez. Le cardio, toujours le cardio. Ils sont où? Ils sont là. Est-ce qu'on aurait pas un peu le somme? Il passe. Ah, oh merde, il faut que je pousse. Oh non, c'est moi qui vais avoir le somme. Oh non. Non, mec. Non, on est de retour dans l'école. Mais ça me laisse pas respirer aussi, là. Oh putain, c'est le rush à cette partie du jeu. Tu ne respires plus. Flamme doudoune. Ok, on y est, yes. Elle est où la grosse bête là que je la goume? C'est du 1v1, hein. Ils sont plus 5 maintenant dans l'école. Dans l'école, c'est juste moi. Oh merde. Ça fait beaucoup là, non? Vas-y, filme tout. Ok, c'est bon, on a filmé. Ni snaf. Pardon? Pourquoi? Oh mon Dieu, j'avais pas vu ça. D'accord, ok, j'ai compris. Ah bah j'ai raté le screamer, je suis content. Bon, je l'ai raté, j'ai quand même eu peur, mais... Mais j'ai rien vu, et ça, c'est le principal. Il y a un truc, là. Putain, j'ai cru voir un truc. Oh. Jessica. Love Blake. Oh mon Dieu! Ah non, attends, Love. Toi, Love. C'est toi, Love. C'est quoi ton problème? Oh, il m'a fait peur, lui, là. Oh mon Dieu, la gueule! Mais c'est très très grave de faire des têtes comme ça sur les photos, monsieur, hein. Salut, t'aimes les bonbons? Et t'as déjà regardé un Disney avec un adulte? Tu connais Blanche-Neige et les fesses nains? Blanche-Neige et les fesses nains? Blanche-Neige et le festin? Oh putain, mais lui aussi, il faut pas qu'il fasse ça, hein. Est-ce que c'est volontaire de la part des... Les glitchs. De la part des développeurs de faire des têtes comme ça. Tu connais Blanche-Neige et les fesses nains? Mais... Oh. Et où est? Les croix ensanglantées, c'est très glauque aussi. Mais regardez, ils ont tous des têtes de gens qui... Ah, lui, c'est le pire. Lui, il est pas mal aussi, hein. Oh, une bibliothèque, quel plaisir. Ok. Oh non! Non, je refuse! Referme.
Oh non, vous êtes sérieux, je peux pas. Non, non, glitch pas. Non. Non, j'allais dire la musique s'arrête, ça veut dire que l'ennemi est parti. Je suis pas du tout allé là où il fallait. Faut que je trace. Trace ! Il est toujours là ? Ah non, c'est bon, putain. Oh, la nuit est permis. Ah non, par contre, les piles, elles sont en train de... Oh, y a pas une pile, là ? Putain, les glitchs, la musique, les glitchs, la musique et les glitchs. Oh non. Ok, c'est par là, je pense. Oh, vous êtes sérieux? Oh, non, vous êtes sérieux? Non! Oh non, pas le labyrinthe. Oh non, c'est un... Ah, c'est un cul-de-sac. Ah, c'est un cul-de-sac. Double cul-de-sac. Trois cul-de-sac. Ça fait trop de cul pour un sac. Waouh, waouh, waouh. Non, monsieur. Non, monsieur. Monsieur. Pourquoi ça me ralentit comme ça? Mais quel est ce jeu de con? Ah, mon personnage, ça y est. Crise d'asthme. Super. Oh non, cul-de-sac. Non. Et je parle pas de... je parle pas du village de Hobbit. Ah ! Oh non, encore un cul-de-sac ! Et j'ai bientôt plus de piles. Cette musique qui est en train de me tendre le fiac. Recharge. De toute façon, si je me fais avoir dans le noir, c'est pas grave. Hop ! C'est trop tendu ce passage par contre. Je refuse. Mais arrête de faire des crises d'asthme toutes les deux secondes. Moi je te jure que je vois un monstre comme ça, mais je n'ai plus, j'ai de l'endurance infinie en fait. Quitte à mourir. Ok, on y va. Ok. Coucou Flimpy, merci. Coucou. Ok, on se casse très fort. On referme. Ah! Oh, bandage! Mais à quoi servent les bandages dans ce jeu de con? Ah, par contre, je suis désolé, mais cette pièce ne sert à rien, il faut que je ressorte. Yes, je suis très content. On est marre aussi! Oh! Oh non, merde! Triple merde! Oh merde de cul! Reste ici! Mais je suis là! Oh oh, les glitchs! Oh, elle glitch à sauce! Ouah! Oh non, les hérétiques! Ils sont où? Faut que je pousse ça. Ouais, faut que je pousse ça. Et ensuite que j'aille là. Ok, c'est bon. Ok. Oh, bandage. Moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'aurais besoin de piles, là. Ça dérange personne. Oh putain, je les entends. Oh non, mais putain, mais pas déjà. Mais laissez-moi respirer 2 secondes. 2 secondes. Jeu de merde. Ils sont là, ils sont partout. Ils sont partout, je les entends respirer. Ok, cours. Attendez, laissez-moi réfléchir. Non ! Pourquoi ? Au coin d'un... Oh, une pile. Je suis mort, hein, de toute façon. Monsieur ! Monsieur ! À bientôt. Pas obligé de hurler comme ça tout non plus tout le temps, on va pas se mentir.
C'est quoi ça? Oh putain! Ah mais je peux ouvrir ça en fait. Bravo Nalf. Ça c'est vraiment bien joué mec hein. Quelle est la suite des opérations? Oh! Oh merde! Oh merde! Merde! Oh c'est ça! Faut que je le prenne et que je le mette. Faut que je le mette tout. Faut que je l'emmène où? Ici là-haut! C'est là-haut! Mon salut! Non! Non! Dépêche! Vite, saute et ressaute! Et fais du saut, toi! Saute partout! Cours! Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté, mais pourquoi faire? Je suis où? Ok. Là-dessous. Oh. Un coup il fait jour, un coup il fait nuit. Merde. On remonte très très vite. On remonte. Ah, on remonte très très vite. Très 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 vite. C'est, enfin en fait doucement. Oh, il y a une pile. Oh merde, il me reste combien de piles? L'entrée de la mine est généralement à l'étage supérieur. Ah, il m'en reste 3, il y en a une qui est juste là. La crème? Ouais. Merci Samael pour les 2 mois. Merci beaucoup. Ah, voir un alpha une apeurie, je peux mourir tranquille. Yes. Alors, on grid pour la pile. Je m'en fous. Ok, c'est pas grave. On y retourne. Ok, ça passe, ouais. Bien sûr. Ok, ensuite. Je sens que le jeu va me stresser d'un coup encore une fois pour changer, hein. Oh non, Jessica. Merde. Oh non, pas toi, saloperie. Saloperie. Ah. Ok, par là-bas. Il est derrière ou pas? Oh oui, il est derrière. Oh, ça court vite. Mais ça court très vite. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh putain. Ok. On peut y aller ou pas? On y va. Ok, on y va. On lâche rien. On lâche rien. Sortie. La sortie est ouverte. Oh mon dieu, c'est la première fois depuis... Bonjour. C'est la première fois depuis si longtemps. Oh oui, oh oui. Oh, les glitchs, les glitchs. Oh, il fait très nuit par contre, non? Oh, la musique. La musique. Oh, mon dieu. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je peux ouvrir? Ok, c'est un gros nom. Boum! Ok. Oh, oh non, oh non. Oh, encore toi! Ok, referme la porte, ok, c'est très bien. Ah, je ne te laisserai jamais partir. I'll never let you go. Never let you come. Nous sommes détendus, putain de merde. On va ressortir par la fenêtre, hein, je pense. Si on peut. Je peux pas. Ah, peut-être la porte. Ah non, c'est fermé. Ok. Ah bah si, normalement. Je peux juste passer par là. Ouais, ok. Oh là là, oh là là. Attendez 2 secondes.
En plus, on est dans le rouge, ça va très bien avec le jeu. On va se mettre un petit renard. Et on va laisser reposer les lentilles parce que depuis tout à l'heure, je ferme pas les yeux. Et mes lentilles sèchent leur grand-mère. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Toi, t'es beau, Combo. Ouais, toi, t'es beau. Ah, pour. On va se servir à boire sa grand-mère. Ça va, vous ? On va passer à un truc encore plus... Non, c'est pas spécialement plus mignon, mais c'est mignon aussi. C'est une petite vache. Ça va très très bien, tranquille, hein. Allez, let's fucking go. Le lapin, il est là le lapin, il a pas bougé, c'est toujours le même en plus. Ça fait un an que c'est le même. Ça a vraiment pas bougé, hein. Hop là. Et nous sommes de retour dans le présent. Oh mais l'effet est vachement bien fait là. Ça fait très Tim Burton. Le sang très très épais comme ça. Ça ressemble un peu à Sweeney Todd, pour ceux qui ont la ref, mais je pense pas. Il a pas pris une ride, le lapin, hein. Il est là depuis plus d'un an, maintenant. Ce sera celui qui nous accompagnera aussi sur Outlast 3, je pense. Mais à Outlast 3, vraiment, ce sera Day One, hein, je vous le dis. C'est quoi ça, encore? Ah, mais il y a des mecs juste au-dessus de moi, en fait. Oh, putain. Ok. Ah oui, Sweeney Todd, c'est très sanglant. Oui. Ah, t'as pas aimé? Ah, moi j'ai kiffé. Après, faut aimer les comédies musicales aussi. Alors, interagir. Ok, on interagit. Bien joué, Nafle. C'est très bien joué, Nafle. Oh, c'est une pile. Oh, c'est une pile. On a trouvé une pile. On va sortir par là, non? Attends, laissez-moi observer un peu. Voilà. Oh non. Non. Derrière. Tout de suite. Oh non. Merde. Oh. Non. Oh mon dieu. Ils sont partout. Cours. Cavale, Kenny. Cavale. Jésus. Jésus-Christ. Je dis Jésus-Christ parce que Kenny, quand il chante, il dit Christ. Si ce n'est pas une erreur de ma part, je préfère le préciser. Mais cours, cabale! Ah. Tenez l'or qui supprime le message de Rivers instantanément. Ils peuvent pas passer, hein, normalement. Ah, ils peuvent pas, hein. Heureusement, ils peuvent pas. Putain, c'était tellement tendu, mon gars. Ok, il y a deux bandages. C'est l'heure de se barrer instantanément. Allez, ascenseur. Ascenseur! Ascenseur? Voilà. Oh, ils sont dans l'ascenseur. Mais ils sont dans l'ascenseur. Slide. Oh, plus vite que ça, bordel. Ok, là, 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 et là, et là, et puis là, et ensuite on slide, tout de suite, hop, on se relève, on descend les escaliers, on saute, ça rase, hop, dépêche, cours, j'ai dit, c'est pas possible, il fait des crises d'asthme, continue, t'arrête pas, surtout pas, parce que là,
C'est pas le moment, ils sont derrière, je crois, en plus. Ils sont derrière, hein. Ils sont derrière, hein. Oh, quelle vie! Je peux encore la soulever. Jess, j'ai juste à... Lynn, elle s'appelle Lynn. Lynn, oui, bah oui, Lynn, pas Jessica. Oh non. Pourquoi je peux pas? Ah, je peux sortir peut-être? Ah non. Attendez, là on est à 100. Ok, on est passé de 120 pieds à 440 de profondeur. Sans pieds. Oh putain, je peux toujours pas sortir. Mais si, Lionel. Oh là là, ça réclame un pour 10 000. Bien joué. Oh, le roleplay, mec. Est-ce que je viens de faire le tour de la cabine comme un connard? Ah bah oui, c'est ce que je viens de faire, oui, en effet. Et bah on recommence. Allez, hop. C'est y part. Attendez, attendez. Est-ce que je peux pas juste aller là? Voilà, je peux pas aller là et descendre là? Ouais, voilà. Ok, c'est bien ce que je pensais. J'ai combien de piles? Trouvez Lynn. Oh, mais on a 5 piles, mais on est... Bah, il... Mais qu'est-ce... Mais il s'est... Mec... Je peux encore la sauver. Mais... Jess, j'ai juste à... Lynn... Mais il s'est passé quoi? Oh là, je refais pas le roleplay, hein. Ça m'a déclenché un asthme. Descends, descends! Ah, 440 pieds. Ah, 800 pieds. Bon, cette fois il faut que je comprenne ce qui m'a tué. Par contre, je comprends absolument pas ce qui s'est passé là. Donc let's go. Qui m'a tué? Réellement, qui m'a tué? C'est l'ascenseur qui m'a tué. L'ascenseur m'est tombé sur la gueule tout à l'heure. Je savais pas. Oh, c'est très grave. Oh, c'est très grave. Piégé. J'allais jamais sortir. Je le sais maintenant. Au moins, je serai avec elle. Ouais. Omar m'a tué. On est dans les mines. Super. Le niveau de la mine. L'interminable niveau de la mine. J'aime pas le passage dans les mines. C'est vraiment très angoissant et très difficile. Heureusement que ce jeu a une sauvegarde tous les 3 pas. Hein. Pour l'instant, ça va. Je vais préparer la vie. Oh, ça va pas. Je vais préparer la vision nocturne pour tout à l'heure. Hein, et tout à l'heure, c'est à peu près maintenant. Gameplay écureuil, hein, je vous le dis. Oh non, pipoufette, non. Ça va être par là, en plus. Je vais aller à l'opposé de là où sont allés mes super potes. Oh, mon Dieu. Oh, j'entends Lynn.
J'entends Lynn. Lynn. Tu peux remonter à la surface? Tu m'angoisses, mec. Ah, ma femme se débat salement, hein. Ok, c'est là. Attendez, il y avait un truc en bas. Oh non. J'ai vu un truc en bas. Je vous le jure. Oh non. Ah, je... Oh non. Alors, je vais peut-être regretter. On va repasser dans l'école, vous allez voir. Ah non. On n'est pas repassé dans l'école. C'est terrible. Oh, j'ai vraiment vu un truc. Remonte. Ok, c'est bon, tu peux redescendre. Enfin, je crois. Appelez la police. Ok, c'est bon. Putain, mais ça tient. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que ça s'est effondré, mais pas sûr à faire vérifier par les experts que vous allez tous très bien ce soir. Ah, ça filme. Quoi, tu réagis à ça, mec? Tu réagis à ça après tout ce qu'on a vu dans le jeu? Ils ont vécu ici. Non, pas vécu. Je devais trouver Lynn. J'espérais ne pas l'avoir fait. Ah bah non. Heureusement que c'est pas Lynn. Par contre, je vous avoue que ça fait quand même beaucoup de péripéties juste pour retrouver sa femme. Hein. Enfin, personnellement, peut-être que j'aurais pas été aussi insistant. Oui, je suis lâche, ouais. Ok, on va jump. ...240 mètres sous la surface, ok. Propre. Y'a pas une pile? Ah, on peut se cacher. Déjà, c'est très mauvais signe. On progresse, hein, de toute façon. Tout se passe très très bien pour l'instant. Ok, on peut se cacher ici aussi. Pile! C'était quoi ce bruit de merde? Oh! Non. Un homme nu. Oh non. Un homme nu. Un homme très très nu. On va se mettre écureuil et on va ouvrir. Ok. C'était quoi ce bruit? Il y a un truc qui arrive. Oh, mais dézoom. Mais connard, je suis où? Je suis dans le mur. Ferme la porte. Ok. Alors. On ferme les verrous aussi. Alors, il faut que je regarde... Enfin, que j'écoute un peu avec le... Notre super micro. Pas de bruit? Ah si, il y a du bruit par là-bas. Ok. Il est par là-bas. Ouais, il est par là-bas. Ok, il se déplace par là. Donc c'est y part. On ouvre doucement. Et on va aller tout droit. C'est fermé. Putain, je déteste ma vie. Il va falloir que je recharge bientôt. J'ai bientôt plus de piles. Je recharge tout de suite, sinon dans le stress, ça va être compliqué. Je vous le dis. Ah, je peux peut-être passer par là. Ou alors, je vais aller par là direct. Je pense pas qu'il y ait le méchant, là. Hein. Y a pas le méchant, là. Hein. Oh, j'entends des cris, sa race. J'entends des cris vraiment pas cool. Oh, on peut filmer. Ok, ça filme. Allez, filme. Putain, j'hallucine. Ah, c'est horrible par contre, ça. Oh, grosse inspiration. Giger. Giger, c'est le créateur d'Alien. À mon avis, là, en termes d'artistique, on n'est pas loin. Décoré avec les morts. Je regardais ses visages à la recherche de Lynn. À la recherche des miens. Pour Jessica.
Et pour Narnia aussi. Oh ! Mais qu'est-ce que... Mais quoi ? Pourquoi ? Oh, les fous furieux ! Les fous furieux ! Les fous ! Pourquoi ils étaient dans le mur ? Ah ! Oh non, c'est... Oh, là. Plouf. Est-ce que je peux jeter un œil ? On va rester un petit peu sous l'eau. Mais j'ai trop peur. Quand je dis le créateur d'Alien, je me comprends, on casse pas les couilles non plus. Ok, je vais me soigner. Pourquoi ça hurle comme ça là, messieurs ? Oh ! Oh, les hommes nus, mais quelle bande de fous. Oh ! Un cul ! Ok, non. Bon, comment je vais faire pour sortir de là, moi ? Parce que... C'est maintenant, je crois. Hein. En fait, il faut que j'aille par là et que je trace... Oh non. On va aller par là. Peut-être que par là c'est safe en vrai. Enfin, je l'espère du moins. Arrêtez d'hurler, je vous promets, c'est vraiment pas sympa. Wow, je suis vu. Je vais me faire niquer, c'est sûr et certain. Non. Aïe, je souffre. Oh, je suis tellement mort. Désolé les mecs, hein. Désolé les mecs, pardon, c'était pas le chemin. J'aime pas les mines. Ah merde, j'étais en train de... Ah. Il faut que je trouve la crevasse directe. Elle est où? Ah, où est la crevasse? Putain de merde. Oh. Oh, referme. Soigne-toi vite fait. Oh putain, c'est là que je suis mort tout à l'heure. Oh merde, c'est là que je suis mort tout à l'heure. Oh là là. Oh, ça ne présage absolument rien de bon pour la suite. Ah ok. La crevasse, ok, j'ai compris. Alors, il faut que j'essaye de me repérer dans ces putains de mines. On va économiser un petit peu de pile. Ça va être le rush, mon gars. Il faut que je repasse là où il y avait les mecs, en fait. Oh non. Faut que j'attende qu'il y en ait un qui passe. Là, il est passé. Là, il faut que je parte absolument à droite, tout de suite. Genre là, maintenant. Ok. Ne t'arrête pas, mec. Ne t'arrête absolument pas. Cours. Comme t'as jamais couru dans ta triste vie. Hé, t'arrête pas. Ok. Ok, ça va, c'est déjà ça de fait. Wow. Ok. Oh, je peux filmer.
Mais y a un bébé mort dedans. Ah, ça arrive, hein. Ok. L'ennemi de mon ennemi. Un enfant. Il est trop tard pour sauver l'enfant. Toujours trop tard. C'est très très bleu, non? Alors, normalement, il faut que je tire ça. Et que je l'envoie salement. Ah merde. Attendez, il y a un truc. Ah, il y a ça, putain. Voilà, c'est ça. Il faut que je bouge ça. Ok, normalement, je devrais pouvoir maintenant. Ok, c'est bon, je peux passer là-dessous. Ok, c'est très bien. Si tu as fait quelque chose, je veux que tu me le dises. Non, mais silence, ça suffit maintenant. Je suis beaucoup trop stressé là, ça suffit. Oh non, c'est quoi ça encore? J'aime pas le passage dans les mines, c'est trop tendu. On va repasser dans l'école là, non? Oh, un cul squelettique. Oh. Allez, 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 allez. Je sais même plus combien il me reste de piles. Il doit m'en rester 4. Je pense 4 ou 3 ou 4. Ok, on y go. Ça progresse, mais c'est compliqué, putain. Oh non, 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 non. Petits yeux. Le père est tout là-haut, nous regarde avec amour. Car à ce que vous voyez, petits yeux, car à ce que vous touchez... Pourquoi je referme la porte? Ok, on filme. Mais c'est très bizarre ça. Ah mais c'est un fœtus, je reconnais. Je pouvais déjà les entendre. Je savais pas si c'était réel. J'ai vu le squelette du fœtus au fond de sa cage thoracique. C'est trop bien. Enfin, je sais pas à quel moment le mec pense à filmer tout ça et à commenter, mais... Bien joué à lui, en tout cas. En termes de reportage, c'est... Pépite. Pépite, ça passera sur France 3, ça je reconnais. Oh, j'ai bientôt plus de piles encore une fois. Mais quelle vie! Quelle vie! Oh non, j'aime pas ce passage! Je recharge. Oh non, si c'est le truc dans l'eau où je sais jamais où il faut aller, c'est trop chiant ça. Ah non! Non! Qu'est-ce que vous avez fait, Aline? Oh non, Val! Où est-elle? Pipoufette! Nous sommes des créatures d'appétit. Je veux sentir ta faim. Je veux voir ton vrai visage. Ta semence va brûler ce monde. Où est Lynn ? Brûle. Vous avez un sacré souci, les potes, hein ? Je me réjouis de notre seigneur enfant, nu, qui ne cache rien. Je retire ce masque. Espèce de taré ! Je montre mon vrai visage. Oh non, Pipoufette, ça va être difficile. Montre-moi ton vrai visage. Avec sa couronne de connasse. Allez, chais. Et double chais. Et toi, il faut que je cours. Absolument! Parce qu'elle est derrière, non? Oh, elle est vraiment derrière et elle court en plus! Oh, je vois rien, ok. Cours, cours, cours. Oh, comme t'as jamais couru, mon gars! Jamais, jamais! Oh! Non! Non, le cul de sac! Oh oui, très bien. Oh, ça sent l'école, ça. Oh, ça sent l'école, non? Ah non, pas du tout. Ah non, ah bon? Ah bah d'accord. Il est venu. Le temps des cathédrales. Le fruit de ta luxure, ton enfant, ton père. Laisse-moi tranquille.
Laisse-moi tranquille, Pipoufette. Attendez, je crois que je me souviens de ce passage. Oh non, c'est le passage de Pipoufette. Oh non, j'aime pas le passage de Pipoufette. Je suis perdu dans le passage de Pipoufette. Oh, je crois savoir ce que je dois faire. Je crois qu'il faut que j'actionne des trucs. Ouais, voilà, faut que j'actionne un truc ici. Voilà. Tout en est... Elle est où? Oh, elle était juste là derrière. Oh. Il faut que je la braine un maximum. Elle est censée être là. Donc maintenant on va aller par là-bas. Je pense qu'il y a un autre truc. Oh, j'ai cassé le truc. Oh non, oh le con. Il y a un autre truc à actionner quelque part, je le sais. Je le sais, je le sens, il est là. Oh, Pipoufette, me fais pas de mal, Pipoufette. Pipoufette. Je sais qu'elle va revenir. C'est marqué dans l'histoire de la vie. Je suis obligé d'utiliser la vision nocturne, hein, j'ai pas le choix. Hein. C'est plus Resident Evil 8 qui s'est inspiré de Outlast 2 que l'inverse, vu que c'est sorti bien avant. Oh putain, il est là. Oh putain, merde, oh merde. Vas-y, passe, madame. Elle m'a vu comme elle n'a jamais vu personne. Oh non, oh non, oh non, oh non. Pourquoi? J'arrive pas à croire que j'ai passé cet endroit aussi vite. Ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais réussi à passer Pipoufette aussi vite. Le speedrun. Oh, le speedrunning. Oh, Pipoufette m'a explosé la gueule à peu près 15 fois la première fois que j'ai stream le jeu. Ok, let's go. Ok, go. Go. Oh non. Qu'est-ce que tu lui as fait? Heureusement que le truc revient tout seul. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai passé Pipoufette comme ça. Trop bien, je suis trop content. Non non, c'est pas un speedrun hein. Je pense qu'on peut lâcher. Okay. Oh. J'ai pas aimé. Ok. J'ai pas aimé. Alors, j'ai pas aimé par contre. Ok. Alors par contre, je vous explique un truc. Il va y avoir un lapin à un moment. Parce qu'à la fin du jeu, il y a une... Enfin là, tout à l'heure, on va avoir une grosse orgie sa mère. Et j'ai pas trop envie sur Twitch de montrer des gens qui se prennent en levrette. Oh non. Oh, oh non, c'est ce passage-là que j'aime pas. Oh, c'est ça que j'aime pas, putain. Il me reste combien de piles? Trouvez Lynn. Y'a que ça qui compte. Ok, 4 piles, ça devrait le faire en vrai. Dieu ne t'aime pas. Oh non. Pas comme je t'aime. Pas elle, pas encore. Oh, elle est là. Ok, non. Oh merde. Oh merde. Il y a quelqu'un derrière, hein, c'est ça? Oh, elle est juste là. Oh, ça me rend fou à flelou. Il va falloir que je recharge en plus. Faut que je recharge. Cours. Mec, cours. J'ai dit cours! Elle est juste là, c'est tellement stressant. Oh, je suis où? Merde. Ok.
Elle est toujours derrière ou pas? Elle peut passer sur les trucs! Oh non. Oh non. Oh non, elle est derrière encore. Mais c'est vraiment de l'harcèlement pur et dur. Ils sont derrière, hein, mais c'est pas grave, hein. Hein, c'est pas grave. Mon perso est en train de faire la pire crise d'asthme de l'histoire des jeux vidéo. Allez frère, s'il te plaît. S'il te plaît, respire. Ok. Oh la sadique assumée quoi. Ça m'a tellement tendu, JPP. JPEP. JPEPOUZE. Encore une échelle. Je suis refaisé. Il y a quelqu'un là-haut, non? Ah oui, il y a quelqu'un, oui. Oh putain, c'est elle en plus. Je crois que c'est elle. Ah, fait chier. Mais je crois qu'elle se barre. En vrai, on est tranquille. Je pense qu'on est tranquille. Oh, on a le fait. C'est un peu le fanfrelin. Je réfléchis pas trop avant d'agir. Ensuite, ici. Ah ouais, donc on la suit quoi. On a échangé les... Ok. Oh non, peu cher. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, ça faisait longtemps! Putain, ça s'est grave calmé. Au début du jeu, on en avait partout. Et là, d'un coup, on en a plus du tout des trucs à lire. Chapitre 15. Et Dieu prit la parole par la bouche d'Ézéchiel, et ses oreilles saignèrent, ses dents se brisèrent, et sa semence coula de ses reins inspirés, et ses paroles étaient le sang du Christ. Ça fait quand même un moment qu'on s'est rendu compte que c'est bourré de cul, en fait. Et de ce sang est né un fleuve, et sa subsistance guérit la purulence des arbres qui portaient les sept nations. Par le sang de l'agneau, l'agneau aux yeux d'araignée mourra à jamais. Et ceux qui resteront n'auront besoin d'aucune lumière, de bougie ni de flamme électrique, car la vision sera une aube éternelle. Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, mais copie-les à la lettre durant chaque moment de ta vie, car je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et celui du Père, et comme berger je dis ceci, Dieu te le rendra. Que tu sois sale, que tu sois juste, que tu sois injuste, que tu sois habillé dans la honte ou dans la gloire, le jour venu, Dieu te baisera, et cela sera ta récompense. Nous sommes l'alpha et l'oméga, et Ézéchiel est le premier d'entre nous. Et tu devras grimper à l'arbre de vie où est... Où y être crucifié. Seuls les élus de Dieu trouveront refuge au sein de Temple Gate, sans quoi ils seront des putains, des tueurs et des idolâtres, des pharisiens, des publicains, des blasphémateurs, des joueurs de League of Legends, des collecteurs d'impôts et des tyrans. Et les anges disent « Dieu s'est détourné de l'homme jusqu'à ce que son fils Jésus-Christ partage son testament. Jésus-Christ s'est détourné de l'homme jusqu'à ce que son prophète Sullivan Knott partage son testament. Et chaque mot du prophète est vrai, car il est écrit dans ce livre, et ce livre est la vérité. Tu rendras témoignage à ces vérités, et en ceci tu seras le livre de vie, et tu vivras dans cette ville sainte. Tu diras... Apocaslip, je t'attends, même dans ma souffrance, même dans la mort de mes enfants, viens Seigneur, mon Dieu, et donne-moi le paradis. Que la grâce de Dieu et de son prophète Sullivan Knott soit avec vous tous. Amen. Ah. Ah. Je vais avoir un clan d'extrémistes religieux qui vont venir sonner à ma porte dans pas longtemps.
C'était très beau en tout cas. Moi j'ai pleuré. Ça s'est pas entendu, mais j'étais en larmes. Attendez, c'est ici que ça baise, non? Oh, c'est ici! Alors, mesdames et messieurs, ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez voir. Enfin, vous allez pas le voir d'ailleurs. Il y a une belle bande de joyeux hérétiques qui s'enculent. Du coup, je vais pas le montrer, mais le cœur y est. Et du coup, pour vous donner une idée, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais débarquer dans un endroit où il y a plein de gens qui s'enculent et tout, et il va y avoir Lynn accrochée au milieu de tous. Et on va voir Lynn, on va faire « Lynn, qu'est-ce que quoi, machin ?» Et puis, il y a Val qui va arriver derrière nous et qui va nous attraper, je crois, ou je sais plus trop quoi, et qui va se mettre sur nous. Et une fois qu'elle se sera mise sur nous, il va y avoir un éboulement, je crois. Et après cet éboulement, je vais pouvoir vous remettre... Putain, le lapin, il bug, là. Pourquoi il fait ça, lui aussi, là? Et après cet éboulement, eh ben, on pourra enlever le lapin. Ok? Et au pire, si vous êtes vraiment trop curieux, vous mettez sur YouTube Outlast 2, orgie. Oh, le lapin, il casse les couilles un peu. Outlast 2, orgie. Outlast 2, orgie. Allez chercher les orgies. Les orgies. Ok. Le lapin, par contre, il est très chiant à bugger, là. C'est triste. Attendez. Je vais essayer de faire en sorte que le lapin ne bug pas. Peut-être que là, il buggera plus. Au pire, s'il bug, c'est pas grave, hein. Oh, fucking K. Je pense que vous pouvez le voir un peu du coin de l'œil là-bas. Il y a quand même quelques énergumènes qui sont en train de se mettre bien, en gros. J'aimerais de ta part, Luc, aide-moi à faire ce qu'il faut. Il est venu, le fruit de ta luxure. Regardez, vite fait. Voyez, voyez, quelques gens qui s'enculent là. Hein? Christ, qu'une mort. Ah ouais, ouais, ouais. Regarde. Oh mon Dieu. Ah ouais, là, c'est beaucoup, là. On l'entend aussi au son, hein. J'ai mal. Oh, mon Dieu. Non. Arrêtez de vous enculer, je suis sur Twitch. Je suis plus forte que toi. Oh bah, y a pas eu d'éboulement, en fait. En fait, beaucoup de gens ne se souviennent pas de cette scène parce qu'en fait, y a une petite anecdote par rapport à ça, c'est que Outlast 2 à la base n'avait pas cette scène dans le jeu. Enfin, il y avait cette scène, mais les gens autour faisaient des espèces de prières bizarres et tout ça. C'est seulement après que les développeurs se sont dit, notre jeu est pas assez dégueulasse. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un patch dans lequel on ajoute des gens qui baisent et et il y a une scène après aussi qui est très 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 gore dans la version non censurée. Et moi du coup j'ai la version non censurée. Je savais pas comment remettre en version censurée. Réticule, rester accroupi, mouvement. Non, hein. Ça me propose pas de passer en censuré ou pas en fait. Donc du coup tant pis, vous avez le lapin quoi. Après vous ratez pas grand chose, hein. C'est des pixels qui... qui buzz en fait. Un peu comme Pornhub en fait. Tu dois me dire. Enlève-toi. Pas avant que tu répondes. Non. Ok. Mais tu dois abandonner. Si tu dis que j'ai gagné, je te lâcherai. Ok. Mais tu dois le dire. Ok. Ok. C'est tout. Tu m'as eu. T'es une chiffre molle, Blake. C'est la partie cutie du jeu. Jessica! Allez! La promenade en amoureux. Ah putain, mais l'école était déjà glauque avant d'être glauque. Ça va, madame? Ça va?
Qu'est-ce que c'est que cette caméra de merde là? Pourquoi je peux pas regarder je en face? Je sais pas pourquoi tu fais autant de mystères. Ah ok d'accord, c'est parce qu'elle parle. Est-ce que Lynn t'a demandé de me le demander? J'ai demandé la première. Caméra. Alors? J'en sais rien. T'es nul. La ferme. C'est toi. Ah c'est bon. On va quand même la regarder hein. Elle t'a dit de me demander, pas vrai? Peut-être. J'en sais rien. Uh-huh. Je voulais juste savoir. Toi aussi t'es nul. Je sais. Par contre, c'est quoi ce doubleur pour l'enfant? C'est très très nul. Ah, faites pas de blague sur le boule de Jessica, la pauvre. C'est une gamine. Oh! Elle doit avoir 13 ans, là, genre. Putain, mais c'est quoi cette école? Mais c'est très très... Mais c'est très très glauque, hein. Non, tu trouves pas? Tu crois que tes parents sont rentrés à la maison? Non. D'habitude, ils rentrent après le dîner. D'habitude, ils rentrent après le dîner. Tu pourrais venir chez toi? Oui, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi quoi? Mais pourquoi tu veux venir chez moi? Je sais pas. Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux venir chez Est-ce moi? Que tu ne sais pas, Jessica? Oh, désolée. Nous... Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Je suis désolée, Père Luthermilch. Nous sommes restés après l'école pour la revue. Mais c'est quoi ce doubleur? Nous allions partir. Retournons en classe, s'il vous plaît. Sacré tâche de vin. Blake? Tu n'as pas encore d'ennuis, Blake. Tu ne veux pas t'attirer des ennuis, quand même? Blake, reste avec moi. Non, c'est très très glauque, cette scène, en plus. Je veux que vous me disiez ce que vous faisiez ici. Vous conduisiez-vous mal? Dois-je appeler vos parents? Jessica, est-ce que je dois rappeler non, ton père? Je vous en prie. Oh, le bon lip-sync. Je veux juste que nous soyons amis. Personne n'a d'ennui pour le moment. L'un de vous deux pense pouvoir faire ce qu'il faut. Jessica? Jessica, regarde-moi. Oh! Veux-tu prier avec moi? Tu veux m'aider à faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et si tu rentres chez toi, Blake? Ai-je interrompu quelque non, chose entre vous? C'est pas ça. Alors tu voulais quoi? Tu ne veux rien dire? Il y a un truc sur le visage du prêtre, en termes de graphisme. Est un don de Dieu. Il est trop dérangeant, genre il y a trop de vie dans ses yeux. Du mal. C'est horrible. Ce que tu veux est très mal. Toi, tu... chez toi et prie. C'est pas mal ce que tu veux, toi, gros dégueulasse. Reste, je veux que tu restes. Blake, s'il te plaît. Cette situation a assez duré. Il n'y a pas de problème, mais tu dois nous laisser. Non. Tout va bien. Tu peux partir, jeune homme. Allez, pars. Mais mec, mais prends un crayon et plante-lui dans sa tache de vin de merde. C'est un doubleur d'enfant de 14 ans. Mais non, c'est pas un enfant qui double, c'est pas possible. C'est un mec qui double, c'est un adulte qui double un enfant de 14 ans. Ça s'entend. Ou alors l'enfant aurait dû prendre le médicament qui transforme les... En... Parce que là, franchement, la voix... Tu peux venir chez moi si tu veux. Non, on faisait rien de mal, monsieur. Jessica, qu'est-ce que tu fais? Oh putain, mais pourquoi je me fais avoir? On y retourne! On y retourne! Super Blake! I'm coming. Oula, il est là. He's coming aussi, mais pas avec le même orthographe. Oh, on fait le tour. Green! Green! Oh, il neigeait. Jessica! Enfin, je veux dire... Jessica! C'est parce que tu as cru voir. Quel connard. Oh merde. Je peux filmer? J'espère que non, je me suis fait avoir. Quel connard. Ok. Oh.
Oh, des murs. Oh, des pierres. Oh, des murs et des pierres. Oh, les murs et les pierres. Oh, c'est un épisode de What the Cut ou quoi? Mur, pierre, banane. Ok. Je comprends rien. Ok, c'est par là. Oh, gauche ou droite? Hein, c'est trop tard pour prendre la décision, monsieur. T'es déjà passé à gauche. Oh non, crise d'asthme encore. C'est pas possible. Même avec la carte kiwi, il sait pas courir. C'est terrible. Mais cours! Ah, cours, je t'en supplie. Merde! Merde! Lynn! Oh, Lynn! Attends, je recharge! T'es vivant? Ouais, je suis vivant. Attends, la caméra, non. Tu peux être en vie. Ok. Lynn! T'es enceinte? Comment peux-tu être enceinte? Je t'en supplie. Je veux pas mourir ici. Je veux pas que notre bébé meure ici. Je vais pas. Je les laisserai pas te tuer. Mais on n'a rien fait depuis des mois, c'est pas mon gosse. Ah, mon gosse. On doit sortir de là. Oh, faut filmer. Oh. Ah, oh, le soleil, ça fait du bien par contre. Oh, très bizarre quand tu zoomes. Allez, 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 allez. Attends, Lynn, hein. On est sorti. J'ai fait sortir Jessica. Il faisait froid, mais la neige commence. Lynn. On va trouver un adulte et lui raconter ce qui nous est arrivé. Lynn, pas Jessica. Ce n'est pas ma faute. Oh, il a dit j'ai fait sortir Jessica. Oh, il a dit Jessica. Oh, c'est très très grave. Tu l'as appelé par le prénom de ton ex. Tu devrais t'en vouloir. Shame on you. Oh merde, je vais où moi? Quand tu zoomes IRL, ça fait pareil si t'as le matos nécessaire. Ah ouais? C'est pas tous les jours que je zoome sous le soleil personnellement. Donc je savais pas. Ok, let's go. Putain, pourquoi je mets ça? Wow, wow! Ok, c'est le bon chemin. Mais c'est quoi ça? On doit trouver un abri. Le plus loin possible d'ici. Ouais. Oh, c'est mignon, on se tient la main. Allez, on traverse le pot. On peut courir en fait. Cours, cours. Cavale, cavale, Lynn, cavale. Oh putain. Oh. Ok. Par ici. On doit entrer avant que le bébé arrive. Ouais, bah doucement. C'est trop dangereux. Tu peux pas. On peut pas rester dehors. Aide-moi. Je t'en supplie, Blake. Ok. Ok. Dieu. Fais attention. Ah bah c'était... Merde. C'était prudent, Lynn. Ça. Bien. Oh non, Lynn. Ça fait mal. Je suis désolé. No shit, no shit en fait. Ok. Je dois m'allonger. Oui. Par ici. Oh la pauvre, la doubleuse a fait un taf de fou. Ok. Ça va aller, ma chérie. Oh non. Merde. Oh non, pas toi. Non, pas toi. Non. Ok, non. Ok, ça va être... on va aller par là. On va la contourner comme on peut. Oh, merde. Oh non, c'est fermé. Seigneur Blake. Non, moi c'est... Tu peux m'appeler Blake tout court, hein, en vrai. Y a quelque chose qui va pas. Tu crois? Attends deux secondes, tu vois pas qu'on est poursuivi par Monsieur Jack? Blake! Dieu, donne-moi ta voix! Dieu, guide ma main! 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 Non.
Ça, c'est vraiment... Hey, top 5 des plus grands coups de chat dans un jeu vidéo. Va te faire foutre! Et ton dieu aussi! Énorme! Bah, très content. Là, par contre, c'est le seul point noir de... Enfin, c'est un des seuls points noirs du scénario. Franchement... Non, c'est trop gros. Blake, un chemin. Eh ben, on va le prendre, le chemin. Allez, cavale, allez, hop, oh, trop, bang. Ça empire. Dépêche-toi, on va trouver un abri. C'est comme si le monde entier brûlait. Tu crois? Oh, wow. Ok, non, pas dans le feu. Mauvaise idée, ça brûle. Bon, je te cache pas qu'il y a un peu beaucoup de fumée. Faut courir vers le soleil, hein. On devrait l'atteindre dans à peu près... 1 million d'années. Ah, oh, merde. Blake. C'est le bébé? Oui, il va pas tarder. Ah, le lapin va pas tarder. C'est ce que je pensais aussi, Rivers. Je me disais, la foudre aurait frappé la pioche. Non, ça aurait été plus... Bah, ça aurait été... Ça aurait été un sacré coup de chat, mais ça aurait été quand même moins gros, là, parce que... quand même, hein, mais... Oh ! Aïe, 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 aïe ! En plus, avec toute la foudre qu'il y a... Allez, continue. Bordel ! La tempête empire ! On peut pas entrer, là ! Ok, c'est un gros nom. Eh, ça te dit, tu bouges? Ok. Ok, c'est là. Oh, la chapelle. Viens, Lynn. On doit entrer là-dedans. Ok, let's freaking go. Pardon? Ok. Oh, vous allez voir Pop un sacré lapin après, hein. Je vous le dis. Tu dois t'allonger. J'y arrive pas. Tu peux le faire. Oh Seigneur. Arrêtez de me rappeler le lapin ou je vous banne tous. Il y a quelque chose qui va pas. Okay, il y a quelque chose de pas normal. Ah. Ça fait trop mal. Ah là 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 là. Je sais, chérie, je sais. Tu peux le faire, d'accord. Oh merde. Ah là là. Ah. Ah. Oh Seigneur. Oh là là. Il arrive. Pousse. Ah. Oh. Ouin, le bébé ouin. 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 Oh la grosse tocha. Qu'est-ce que c'est moche, un bébé, putain. Alors, Lynn m'a dit que tu l'as pas encore embrassé. Quoi? Comme dans La Belle et la Bête. Oh, l'histoire. La pièce de théâtre. On garde ça pour le jour J. C'est vrai. Ok. On se fait la bise. Comme ça, c'est ta copine? Dis-le-moi, sinon... Sinon quoi? Et...
C'est mignon et triste. Putain. Oh, c'est toujours aussi moche. Oh, c'est l'enfant, n'est-ce pas? Note. Papa, oh, note. Seigneur. La fin approche. L'enfant est déjà trop fort. Vous avez assassiné le paradis. Ah ouais? Dieu est silencieux. Depuis la tempête, la naissance. Devant Dieu lui-même et tous ses anges, je l'ai haï. J'ai haï le Seigneur, notre Dieu. Non. J'ai tué mes enfants, chacun d'entre eux, jusqu'au dernier. En même temps, t'as engrossé tout le village, frère. Foi. Et Dieu est toujours silencieux. Tue cet enfant si tu peux. Si tu as quelque amour que ce soit, écrase son crâne sous ta botte. Oh, c'est très très gore. Je sais que Dieu n'entend pas les morts. Mais j'attends de lui qu'il leur réponde. Ouf. Ouf. Zabé! Oh, les turbo-couilles qu'il faut pour faire ça! Là, on a Lynn qui est morte, ok. Ok, on a le bébé, ouais. Ok. Ok, 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 ok. Oh, c'est beau. Oh, la musique pleine d'espoir. Ouais, mais ça, c'est les règles de Twitch, faut pas comprendre. En vrai, ça m'arrange qu'on ait le droit de montrer des gens qui s'égorgent, parce que sinon, c'est bon, on fait plus rien sur la plateforme. Après, j'avoue que la touche en gros plan est compliquée. La touche ! Ça, par contre, merde. C'est giga, méga glauque. Oh, le suicide collectif, genre. Ils sont tous morts. Ils se sont tous butés. Tous. Tant mieux en vrai, ouais, c'est cool. Moi j'aime bien. Ah, je t'ai trouvé instant, madame. T'es là-dedans. Elle est là. Elle fait pas la malinoise, je connais ce que pour les cheveux. Trouvé. Ne t'inquiète pas. Jamais je ne te quitterai. Jamais tu ne m'as quitté. Et ainsi s'est éteinte la lumière. Sauveur. Écoute ma prière. Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Et doucement, m'envoie dans le sommeil. Toi qui vois tout mon Dieu, lave tout ce que j'ai pu faire d'odieux. Aide-moi à devenir chaque jour plus humble et ainsi vivre dans ton amour. Bon, on a des choses à dire. On a des choses à dire. Alors, on a plusieurs choses à dire sur ce jeu. Pour ceux qui n'ont pas compris,
Au cours du jeu, nous subissons plusieurs flashs dans la gueule. Les flashs viennent de la tour radio de Murkoff Corporation. La musique me brise les couilles, actuellement. Voilà. Alors, au fil du jeu, nous nous prenons plusieurs flashs dans la gueule. Qui viennent tout droit de la tour radio de Murkoff Corporation. Du coup, les charmantes personnes qui font des expériences et dans l'asile du 1, et du coup, dans le village du 2, puisque la tour radio est ici pour... je vous raconte ça parce que j'ai lu les comics et tout, hein. Donc j'adore le lore du jeu, donc bon. La tour radio est ici pour envoyer des ondes et des flashs aux gens. Cette tour a rendu fou tout le village, ok ? C'était un village un peu religieux déjà de base, donc ils étaient déjà un petit peu amorcés. Et en fait, le problème c'est que notre personnage est victime aussi des ondes de la tour. Donc en fait, le truc c'est que notre personnage à la fin est complètement taré. C'est-à-dire que il n'y a plus rien à retenir de notre personnage en fait. Le bébé n'existe pas. Le bébé n'était tout simplement qu'une hallucination collective, comme dirait notre super pote Sylvain Durif. Et en fait, la grossesse de Lynn et la grossesse que toutes les autres femmes ont dans ce village sont en fait des grossesses psychosomatiques qui sont le résultat des ondes envoyées par la tour radio de Murkoff, en fait. Ils en parlent déjà dans le 1, quand on lit les dossiers, les trucs comme ça, ils disent « Putain, on comprend pas, on travaille sur des ondes et tout, mais nos employées femmes, elles tombent enceintes, elles ont des grossesses psychosomatiques, c'est quoi cette merde, en fait ?» C'est pour ça qu'ils ont voulu faire un test à grande échelle sur le village, et le truc, c'est que dans le village, tout le monde est devenu fou. Vu que c'était déjà une communauté religieuse, ils sont passés en mode... en fait, ils se sont dit... Oh putain, il y a des femmes qui deviennent enceintes toutes seules. Ça me rappelle un peu l'histoire de Marie, cette histoire-là. Du coup, ils sont devenus fous. T'as une partie du village qui s'est dit « Ouais, c'est l'antéchrist ». L'autre partie qui s'est dit « Ouais, cool, c'est l'antéchrist ». Ça a donné les hérétiques. Et nous, on se retrouve un peu au milieu de tout ça. Et on devient fou en même temps que tout le monde. En ce qui concerne l'histoire de Jessica qui s'est pendue, elle ne s'est pas pendue, en fait. Jessica est une enfant... avec qui Blake avait une relation très très proche en fait, comme on a pu le voir. Et malheureusement, c'est que Jessica, elle était victime d'un prêtre qui la harcelait sexuellement, du coup, et qui abusait d'elle, hein, clairement. Le truc, c'est que Blake, un jour, il l'a entendu crier, il les a suivis, et il a vu que Jessica était tombée dans les escaliers à cause du prêtre, et s'est brisé la nuque. C'est pour ça qu'il la voit tout le temps pendue. C'est un peu un traumatisme qu'il a sorti de son esprit. Même s'il continuait à en rêver, comme on peut le voir au début du jeu. Le problème, c'est que les ondes de la tour et tout ça, en le rendant fou, l'ont replongé dans son traumatisme. C'est pour ça que quand on se retrouve dans l'école, par moments, on pète des câbles et tout, la créature qui nous poursuit, c'est l'avatar du prêtre, en fait. Hein. C'est un peu ça, en fait. Donc, Outlast 2 est beaucoup plus psychologique que le premier. Là où le premier est très très brut, il n'y a pas d'histoire de folie, à part les fous qui nous entourent. Nous, on est très très sains. Dans le 2, on est complètement taré, hein. Lynn est morte en couche, mais elle est morte de douleur, en fait, parce que sa grossesse était juste psychosomatique, il n'y avait pas de bébé réellement. Tout le monde est mort. L'espèce d'apocalypse qu'on voit à la fin, c'est une hallucination collective aussi, hein, clairement. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est tellement persuadé que l'arrivée du bébé, c'est la fin du monde et tout ça, que tout le monde voit que c'est la fin du monde. La tempête, etc. Du coup, tout le monde se zigouille. À la fin du 2, il ne reste personne. Il reste juste Blake, qui déambule comme un débile dans le village, au milieu des cadavres, en train de tenir un truc complètement invisible. Et je crois qu'il y a un comics qui raconte un peu ce qui se passe quand Murkoff vient dans le village pour voir un peu ce qui s'est passé, du coup. Je crois qu'il trouve le cadavre de Val, celle qui nous lèche le visage et tout, là. Je crois qu'il trouve Blake. Je sais pas s'il trouve Blake dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de faire Outlast 3, parce que c'est mes deux jeux d'horreur préférés, en fait, et j'espère que le 3 sera à la hauteur, même si j'ai très très peur de la coop à 4 joueurs.
J'ai très très peur qu'ils aient vraiment misé le truc sur la coop et qu'ils aient un peu délaissé le scénario, parce que c'est quand même un truc que je kiffe dans les deux premiers. Mais on verra bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 3 se passera en pleine guerre froide, dans un complexe de Murkoff Corporation qui font des expériences sur les gens pour essayer de contrôler mentalement. Donc on a vu dans le teaser qu'ils nous mettaient des espèces de lunettes. Là pour le coup il n'y aura pas la caméra comme dans le 1 et le 2, ce sera plutôt des lunettes de vision nocturne qui seront directement vissées à même le crâne du mec, d'après ce que j'ai compris dans le trailer. On n'a pas plus d'infos que ça, on a quelques images qui sont sorties, on a 3 images du jeu qui sont sorties jusqu'à présent. On ne sait pas encore quand ça sortira, je pense que ça sortira cette année normalement. Et soyez sûr que cette année, Day One, on le fera. En espérant par contre que, parce que comme a dit Yva tout à l'heure, dans le premier on a eu un Sgeg en gros plan, dans le deuxième on a une chatte en gros plan. J'espère vraiment que dans le troisième on va pas se taper un truc en gros plan qui va nuire à la chaîne Twitch. Ce serait très con quand même, hein, de se faire ban à cause d'un jeu vidéo. Du coup, on les trouve où les comics en vrai? Je pense que si tu tapes Comics Outlast sur YouTube, sur Google, tu vas trouver. Hein. Je crois que c'est gratuit en plus, donc vous pouvez trouver les comics. Ils sont en anglais, par contre. Les comics Outlast sont en anglais, mais ils sont très intéressants à suivre parce que on voit notamment la transformation de Gros Pouf dans le 1. On voit un peu comment il était avant et tout. C'est sympa, en vrai. Merci pour les 2 bits. Du coup, voilà. Mesdames et messieurs, je vous quitte. Titre enquête, non, on fera du LOL jeudi vendredi, je pense. Mais attention, j'ai d'autres let's play en vue, hein. D'autres jeux intéressants à faire, donc on verra. Je ferai du LOL dans le prochain stream, mais pas. J'en ferai pas 6 jours de suite, ça c'est sûr. Merci d'avoir suivi ce petit let's play sur Outlast 2. Ça m'a fait très plaisir de me replonger dedans. Je vais vous envoyer chez quelqu'un. Je ne sais pas encore chez qui, d'ailleurs. On va voir ça. Restez, s'il vous plaît. Restez un petit peu. Le temps que je vous envoie. Alors, on a au choix du Mr. MV sur Hollow Knight. On a Antoine Daniel sur Worms. On a Zerator sur Worms. On a Sardoche sur LOL. On a Coro Bizarre sur LOL. Pour une fois, je vais peut-être écouter un petit peu vos avis. Hein. Ouais, Mr. MV. Mr. MV, je l'ai jamais raid. J'aimerais bien raid Mr. MV. Voilà, j'ai bien écouté vos avis. Hein. On part sur Mr. MV qui est sur Hollow Knight. Let's go! Amourance, c'était pour le troll une fois. Mais bon. Du coup, voilà! Bonne nuit à tous, des bisous. Profitez bien du stream d'MV. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente nuit. Et puis voilà! Salut, à bientôt. On coupe la musique, ouais, voilà. Hop, et on lance l'outro. Bientôt, bisous, salut. Ouais, des bisous. Salut, salut. Merci pour le soutien.